Et salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du comeback de EXID avec Fire. Bon, ça va être la surprise parce que j'ai pas écouté de teaser ou quoi que ce soit. C'est pour les 10 ans du groupe, donc on va découvrir tous ensemble là maintenant, eh bien ce que ça va donner. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, piou! Wow! Oh putain, ça a l'air trop bien! Méconnaissable, hein. Physiquement méconnaissable. Yes, ma couleur préférée, léopard. J'adore son chapeau là, c'est trop rire. Toute la tenue là, elle est énorme. Yes, let's go. J'attends de voir ce que ça va donner en vrai le refrain. Je me demandais quoi allait arriver, Solji. Un peu long quand même, le pré-chorus. Ah, j'aime bien. Ah, c'est cool. T'en vois. C'est un peu claustro le MV, vous trouvez pas? Genre, c'est toujours enfermé. Bon, bien sûr, c'est une prison quoi. Mais voyez, vous avez la prison, puis après, ils sont dans des pièces qui sont toutes petites, etc. Genre, on dirait qu'il y a un petit aspect claustro dans ce MV. La chanson est cool, hein. J'aime bien les effets de passe-prod là. Alors, je trouve que les pré-chorus, ils sont placés un peu bizarrement, je trouve. Genre, on dirait que la chanson s'arrête, puis il y a le pré-chorus, et puis la chanson elle reprend. Genre, je sais pas si vous avez cette impression. En tout cas, c'est un bon comeback pour les 10 ans, je trouve. C'est un titre qui. Dans les sonorités, ça en jette, vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve que c'est bien pour un truc anniversaire de faire un truc, un banger quoi. Dommage, je pensais qu'on n'allait plus jamais en entendre parler de EXID, du coup, je suis super content d'avoir une nouvelle chanson d'elle quoi. Enfin, une nouvelle title quoi, un nouveau MV. Elle est trop belle hein. Elle est méconnaissable l'anime, mais elle est trop belle. Ouh. En vrai, je m'attendais à rien et je suis quand même surpris par le truc. Enfin, on va en parler. Bon, j'ai toujours un peu HS, désolé, mais j'ai quand même fait la réaction. Je suis super content de les avoir revus pour faire simple. C'est un groupe que j'aime beaucoup, EXID. Je les ai suivis depuis leur tout premier titre, Who's That Girl, que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Bon, il a mal vieilli ce titre maintenant. En tout cas, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Quand ils avaient sorti Up and Down, je comprenais pas pourquoi ça fonctionnait pas, parce que je trouvais que c'était un bop. Et donc, du coup, je suis content qu'il y ait eu la fancam virale pour qu'elles aient le succès mérité avec Up and Down. Fire, en fait, je trouve ça assez étonnant. Je trouve qu'il y a des parties qui s'insèrent bizarrement. En soi, ça me dérange pas, mais c'est vrai qu'à la première écoute, ça m'a fait bizarre. Je pense qu'avec plusieurs écoutes, c'est bon, ça va mieux passer. Et quand je réfléchis, je me souviens pas d'un MV ou d'un style de musique, enfin une title plutôt, où elles étaient badass comme ça. Donc je trouve que finalement, même alors qu'elles reviennent, elles changent encore un peu le truc pour que ça reste frais et que ça fasse pas du vieil EXID, mais comme si ça continuait à être une évolution du EXID. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'elles vont prolonger le truc,
Est-ce qu'on va avoir d'autres MV dans le futur, peut-être, ou est-ce que c'était juste un cadeau pour nous? En vrai, j'aimerais bien continuer à les voir parce que elles apportent quand même un truc un peu différent à la K-pop, dans leur style, le visuel, etc. Et du coup, ça me plairait en fait de continuer à les voir. Je sais pas pour vous, je sais pas trop ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez bien aimé cette chanson Fire? Est-ce que vous trouvez que justement c'est le feu? Est-ce que vous êtes un peu déçu? Parce que je pense que c'est normal aussi d'être déçu parfois. Bref, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, dites-le moi dans les commentaires. Et je vous remercie d'ailleurs pour votre soutien, car c'est à 8 personnes qui découvrent cette chaîne, like ma vidéo et puis s'abonne. Donc je trouve ça super cool. Merci à vous pour ce petit soutien, c'est trop cool. Et c'est super important, bien sûr. D'ailleurs, si vous voulez me suivre bah, ailleurs, vous avez tous les liens de mes réseaux dans la description de la vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous et on se dit à la fin prochaine pour une vidéo réaction, tout simplement. Bye. Annyeong.